Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je vous fais un déballage en partenariat avec New Craft Day. Alors, j'ai commandé un accessoire et une toile. Je remercie beaucoup New Craft Day de leur confiance. Puis je vous montre ça immédiatement. Alors, oups! Oups, yeah! Alors, très déçu parce que la pièce est arrivée brisée. OK, ça fait que je vais envoyer une photo à New Craft Day, puis je vais leur dire, que c'est arrivé brisé. Fait que là, c'est dommage, hein? Enfin, je vais vous donner OK. Je suis contente parce que une chose, c'est que. Attendez, j'en avais d'autres ici. Il y en avait qui ressemblaient, mais ils sont très, très petits. Puis là, eux autres, ils ont avec plusieurs motifs, mais ils sont beaucoup plus gros. Fait que. Puis il y a 36 positions. Pas 30, mais 36 positions. Mais je vais les contacter. Puis je vais leur dire que il y a un petit problème avec la pièce. La pièce est vendue. Attendez. 5,57 en dollars canadiens. Puis, il y avait 10 modèles différents. Fait que je vous y trouverai le lien en description. Alors, puis là, pour vous, j'espère que vous n'aurez pas la malchance que moi j'ai de voir la pièce, de recevoir la pièce qui est cassée. Alors, je peux toujours l'utiliser en mettant des... des numéros pour... ça me fait quand même... 4 à 14, 28, 29 trous, là, mais... Enfin, je pourrais essayer de le coller. Moi, je pourrais essayer de le coller. Oui, c'est ça que je vais faire, peut-être. Enfin. Ensuite, la pièce. Je vais sortir ça. C'est un 11 cantes. Dans les sacs qui sont très bruyants. Les fils sont d'un sac séparé. On a un petit toolkit avec une enfileuse, un pompon, puis chose. Et c'est de la compagnie sans nom. Et voici l'image. Alors, c'est un 58 par 40, 11 cantes. Je l'ai vu déballer sur une autre chaîne, puis j'ai trouvé qu'elle est très trop belle. Fait qu'on va commencer par regarder le patron. Alors, 226 points par 148. Alors, oh! J'essaie de... Mon Dieu, le patron est bien trop grand pour rien. Le papier est bien trop grand pour rien. Regardez l'extra de papier qu'ils ont mis. Mais, bon, alors on a 34 couleurs, ce qui est correct compte tenu qu'on est pas mal tout le temps dans les mêmes teintes. Alors, je vous montre les symboles. La compagnie sans nom, il n'y a pas de problème d'habitude avec eux. Puis, je vais calculer 226 par 148, ce qui veut dire, en fait, de grandeur réelle. On peut faire le calcul. Alors, 226 divisé par 11, ça veut dire 20 pouces et demi, ça veut dire multiplié par 2, ça veut dire à peu près 46 cm de large, à peu près 30 cm d'eau. Alors, ça fait que ça, c'est pour le patron. Puis, on va aller regarder les couleurs.
Moi, c'était les couleurs qui m'avaient fascinée. On a beaucoup 333, c'est une belle teinte, ça. Alors, si on regarde ce que j'ai en plus, bon, j'ai beaucoup 333. De ce bleu-là, ici, c'est quoi? C'est 820. C'est un peu plus clair que 823. Puis, si j'essaye de voir le bout de cette affaire-là. Oh! Il est dur. Fait que je vous montre les couleurs. Ici. Regardez. Un beau rose ici. Belle couleur. Puis ici. Ici, ça, c'est pour le 820. On en a juste un ici parce que. Waouh! Très, très beau. Alors, je vais remettre ça dans le sac. C'est des très beaux roses, des très beaux mauves. C'est vraiment dans des couleurs que j'aime. Et je vous montre la pièce. OK. Donc d'abord, je vais juste regarder, voir si c'est bien ajusté. On voit là, les lignes sont claires ici. C'est bien ajusté. En bas aussi. Oui. Très, très beau. On a des blocs de couleurs. 15, c'est pour le 820, naturellement. Fait que beaucoup de 820. Puis, on a beaucoup du rouge aussi, qui doit être 797, OK. 333, c'est quel symbole? Ah, c'est le bleu. Le bleu, il y en a beaucoup aussi. Très, très joli. Fait que je regarde partout, là, je vais vous rapprocher. On a des... ouais. On a des ronds bleus, des ronds verts, des ronds roses. Ils sont bien différenciables. Des ronds pleins bleus. Oui, très, très jolie. Alors, cette pièce, elle était à 15,34 $ canadiens. Vous trouverez le lien en description. Alors, je vous remonte l'image. Et voyez-vous, ici, on a une petite passerelle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ici? Je ne sais pas si c'est un édifice. Je ne sais pas. On a une lanterne. On a une autre lanterne ici. Mais les couleurs sont magnifiques. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Tous les liens sont en description. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!